Arthur, guess who's here? My date. Your husband. I don't have a husband. Call the police. Your ex-husband. I'll call the police. Acting challenge. All the air inside my lungs, ripping all the skin. Sing this line. Happy. I'm prepared to sacrifice my life. Sad. I'm glad it to it twice. Mad. All the air inside my lungs. Crying. Ripping all the skin from off my bones. Psycho. I'm prepared to sacrifice my life. I would glad flirting. It to it twice. Oh, please. Laughing. I would have loved you forever. Now please go. Don't do this, Alice. Talk to me. I am talking. Fuck off. No, I'm sorry. You misunderstand. I didn't mean yes, to. Yes, you did. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can't do anything with your easy words. Whatever you say, it's too late. Please, don't do this. It's done. On pensait pas mal, on parlait juste comme ça. Mais moi j'y penserai à chaque fois que j'adresserai la parole à un mec, en fait. Vous comprenez pas que c'est ça le sexisme. Tu dis qu'une meuf peut s'habiller comme elle le veut, et ensuite derrière, si je mets mon pantalon, c'est une invitation à quoi? Tu crois vraiment que je suis libre de faire ce que je veux, de dire et faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux? Je me pose des questions que tu te poseras jamais dans ta vie. Est-ce que je peux porter ci ou ça? Ou est-ce que je vais pas passer pour une coincée ou une chaudasse? Et si je me maquille, on dira que je suis une fille trop vulgaire? Et si je me maquille pas, on dira que je suis pas assez féminine? Ou que je prends pas assez soin de moi? Est-ce que je pourrais aimer la photo d'un mec sur Insta sans passer pour une chaudasse? Ou dire à un mec qui me plaît sans passer pour une allumeuse? Et si demain je sors avec un mec, que tout se passe bien, puis un beau jour il décide de me forcer à faire un truc dont j'ai pas envie? Est-ce que j'aurai le courage de lui dire non? Ou est-ce que je resterai là, paralysée, à me dire que peut-être j'ai pu dire ou porter un truc qu'il a laissé croire que j'étais chaude pour ça? Parce que c'est toujours la faute des femmes. C'est toujours à elles de se remettre en question. She's high. Where is my sister, Will? I don't care about the rest of it, I don't. Where is Delilah? Did you hurt her, Will? Then where is she? Tu changerais quoi chez moi si tu pouvais? Rien. Tu es déjà parfaite.